Un important don constitué de médicaments, de fournitures et mobilier de bureau vient d'être remis au centre de santé municipal de Mindoubé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Cette langue de solidarité sociale est l'œuvre de l'honorable Aline Clémence Atsambekal, députée du premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du 3e adjoint au maire, Adrien Guémamba, représentant le maire de Libreville. L'on notait également la présence du 4e adjoint au maire, Edouard Nzengui, en sa qualité de conseiller municipal du 5e arrondissement et de la directrice générale de la santé publique de la mairie de Libreville, Jessica Catriona Ella Ekoga, ainsi que des chefs de quartiers et notables du 5e arrondissement. Il convient de relever que cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme de redynamisation des structures de santé primaire insufflé par le maire de la commune de Libreville, Christine Bantoutoum, épouse Mindou, pour qui les centres de santé municipaux doivent constituer des véritables appuis à la politique gouvernementale. Une dotation aussi importante en médicaments et autres consommables médicaux ne peut être que salutaire, en ce sens qu'elle va soulager nos communautés, a déclaré l'honorable Aline Clémence Atsambekal, qui n'a pas manqué d'exhorter se charger des 10 produits pharmaceutiques quant à leur utilisation à bon escient au profit des populations. Je viens en ce jour, en ma qualité d'élu national d'une part, et d'autre part en tant que député du premier siège du 5e arrondissement, la commune de Libreville, vous offrir ce modeste présent dans le but de soulager un tant soit peu les populations du 5e arrondissement en général et du premier siège en particulier, qui font face à de multiples difficultés d'ordre sanitaire. En m'inscrivant sur la politique du partage prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, mon don est composé, ainsi qu'il suit, de chaises, de savon liquide, de bureaux, de bancs pour les patients, des sachets, poubelles, des balais brosses, des médicaments soignant diverses pathologies, des raclettes, des serpillères, des pinces personnes, un tensiomètre, un appareil contre prendre la glycémie. Madame la responsable du centre médical de Mindoubé, je vous prie de faire bon usage de ces modestes présents et remercie toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour nous assister dans ces moments. L'honorable Aline Clémence Atsambekal est revenue sur les motivations qui l'ont amenée à faire cet élan de solidarité envers les populations de sa circonscription. Je suis toujours près de la population pour savoir quels sont les besoins. Le centre médical m'a contacté pour savoir si je pouvais leur venir en aide, comme il est nouveau ce centre. Donc, avec le cœur, je suis venue leur apporter un soutien. Et c'est ce que le chef d'État nous demande de faire pour le prôner la politique du partage. C'est une action qui sera pérenne, tant que nous serons élus de cet arrondissement. Nous viendrons toujours en aide à nos populations. En réceptionnant le colis, le responsable du centre de santé municipal de Mindoubé, le docteur Audrey Diundou, a, au nom de ses administrés, exprimé toute sa gratitude à l'honorable Aline Clémence Atsambekal et rassuré à la donatrice d'en faire bon usage vu que les lots remis traitent des pathologies primaires. Le médecin Audrey Diundou au micro de nos reporters. C'est un honneur de vous recevoir dans notre structure ce jour. Comme vous le savez, c'est une structure neuve, jeune, car elle a été inaugurée officiellement le 27 juin 2022. Et pour cela, nous avons besoin d'un appui de toutes les personnes qui pourront nous aider à prendre en charge nos patients. Donc nous vous remercions pour ce geste qui est hautement louable, parce que ça va permettre de renforcer notre capacité de prise en charge des patients. En espérant que ce genre de geste se perpétue pour une meilleure prise en charge justement des populations de notre arrondissement, et aussi des alentours, nous vous remercions beaucoup pour ce geste. Et nous remercions toutes les autorités qui ont pu être présentes ce jour et qui ont participé à ce que cette cérémonie soit faite. On retiendra en définitive que la mairie de Libreville compte 4 centres médicaux situés respectivement à Amboué, au quartier Cocotier, Mindoubé et à l'aéroport international Léon Mba de Libreville.